Sinon, la dame qui arrive avec ses sacs, elle a l'air cool. Oui. Non, tu... Est-ce qu'elle parle français, c'est ça? Ah, ah, c'est un préjugé de ça. On est en train de faire une petite interview dans la rue, en fait, pour une web TV. Et on voudrait savoir si vous voudriez bien répondre à quelques questions. On n'a vraiment pas le temps, désolé. C'est vrai, même 2 minutes? Non, mais on est bref. Déjà super en retard. En fait. D'accord, moi j'en ai à vous. Désolé. Au revoir. Personne ne nous voit le temps. Ah oui, tout le monde est pressé. Je dirais que la force d'une chaîne tient à son maillon le plus faible. Nous avons donc un devoir de solidarité, parce que ce qui arrive actuellement aux personnes d'origine étrangère, plus particulièrement parce que ce sont des personnes très précarisées, est potentiellement ce que d'autres population, d'autres catégories de la population vont vivre prochainement. Nous en sommes convaincus. Donc si ensemble, nous ne nous levons pas pour dire que nous voulons d'autres politiques, pas uniquement politiques d'asile, mais politiques socio-économiques, par exemple, que nous voulons lutter contre les formes de l'austérité qui frappent aujourd'hui tout le monde, eh bien, si nous ne nous levons pas ensemble, je crains que le modèle de société dans lesquels nous nous orientons, soit catastrophique. Pensez-vous que la crise actuelle de la Belgique, c'est les étrangers qui causent cette crise-là, la crise économique surtout? Pour moi, non, ce ne sont pas les étrangers. Je crois que justement, c'est un mélange de tous les pays et tout qui peuvent justement ne faire que avancer l'économie. Ouais. Voilà. Bah, et le tout. Bien, merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Portez-vous bien. Oui. Vraiment, oui. Voilà. Bonjour madame. Vous réalisez une web TV, est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions? Ouais, ça dépend des questions. Ouais, honnêtement, je vais répondre. Si on... je vais laisser. Pensez-vous que la crise actuelle de la Belgique, c'est une conséquence directe des étrangers qui sont en Belgique ici? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Vous êtes sûr? Non, pas du tout. Connaissez-vous Maggie de Blanc? Oui, je sais qui c'est, mais je sais bien que c'est pas à cause des étrangers que c'est la crise. C'est la crise. Et vous connaissez à peu près la politique de Maggie de Blanc? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et vous connaissez ce qu'on appelle un centre fermé? Non. Non, je connais la politique en général, mais pas précisément. Ok, merci beaucoup. Bon après-midi. On voulait vous accorder une minute. You speak Netherlands? You speak England? Netherlands. Netherlands. Néerlandais. Je parle néerlandais. Vous pensez que la crise actuelle de la Belgique, c'est le fait que les étrangers viennent en Belgique? Non, je pense pas. Vous êtes sûr? Non, franchement. Non, moi-même, non, je pense pas. Voilà, je comprends et tout ça, c'est tout un pays et tout ça. Voilà, comme le Rwanda et tout ça, ceux qui viennent de la ville, je sais pas mal. Qui, voilà, il n'y en a pas dans leur pays, bah, je peux comprendre. C'est pour améliorer. Alors, pour moi, la notion même de frontière est déjà à remettre en question. Aujourd'hui, si... D'ailleurs, c'est très simple. Moi, je peux aller où je veux dans le monde. Il n'y a pas de frontière pour moi. Hein. Pour toi non plus. Il suffit d'avoir une carte Visa, une Mastercard. Je veux où je veux. Pourquoi ceux qui n'ont pas la carte Visa ne peuvent pas aller où ils veulent? Donc, cette notion même de frontière est déjà en soi... à interroger et à interpeller, me semble-t-il. Ouais, quels sont les critères pour quelqu'un pour vivre en Belgique? Quels sont les critères que vous supposez pour quelqu'un qui veut vivre ici? Il faut travailler, il n'y a pas le choix. Travailler, je sais pas, le respect. Bah ouais, le respect. Voilà, le respect, le travail. Qu'est-ce qu'on pose comme question déjà? Et les questions sont d'ordre, est-ce que vous pensez que c'est les étrangers qui viennent en Belgique qui causent la crise actuelle de la Belgique?
la crise économique que connaît la Belgique actuellement, est-ce que c'est une conséquence directe parce qu'il y a plus d'étrangers ici ou les étrangers viennent ici? Ça, c'est une question que je pense qu'il n'a même pas lieu d'être posée. Parce que si on dit que ce sont les étrangers qui posent problème ici, là, il faudrait que ces mêmes gens qui disent cela essayent d'aller sillonner l'Afrique pour voir combien de Belges sont implantés en Afrique depuis plus de 50 ans et que pour rien au monde, ils peuvent quitter l'Afrique. Donc, ce n'est pas une question pour moi qui doit être à l'ordre du jour. Vous connaissez-vous Magui de Blanc? Magui de Blanc, oui, c'est le ministre de l'immigration. Et que pensez-vous de sa politique? Je pense qu'elle doit aller en Afrique, se promener un peu et voir comment l'Afrique fonctionne et quelles sont nos richesses qui sont en Afrique, mais que malheureusement nous sommes toujours au dernier rang. Parce que si elle va en Afrique, et elle va se rendre compte vraiment de la réalité que ce qu'on pense que les Africains viennent détruire l'Europe, c'est plutôt le contraire. Puisque notre richesse en Afrique nous permet de vivre sur place là-bas et être mieux si on nous laisse contrôler nos richesses personnelles. Quelle appréciation faites-vous sur le centre fermé pour les centres fermés? Mes impressions, ça veut dire quoi surtout? J'ai des amis qui ont été dans les centres fermés. Moi, je ne sais quoi dire concernant les centres fermés. Hein. Je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est que les centres fermés, depuis un certain temps, on n'en parle plus beaucoup parce que la politique a changé de main. Et avant, nous étions à Bruxelles tout le temps, 10 000 personnes pour la marche des sans-papiers. Ça s'est calmé, mais s'est calmé ne veut pas dire que les gens ne sont pas rapatriés. Ce que je pense des centres fermés, c'est que le système de médiatisation a juste changé. Donc on rapatrie dans le calme maintenant, sans commentaire, et c'est pour ça qu'on n'en parle plus beaucoup. La politique d'asile opère une telle violence institutionnelle à l'égard des personnes d'origine étrangère que ça n'est pas tenable. Donc ça me fait un peu penser à la manière dont on traitait les femmes en 1947, je crois, qui n'avaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement absurde. Eh bien, je crois que la manière dont on traite aujourd'hui les personnes d'origine étrangère, dont on accepte quelque part la force de travail, sans vouloir leur reconnaître un statut, je crois que ça paraîtra dans quelques années tout aussi absurde. Pour moi, noir, blanc, jaune, rouge, c'est la même couleur de peau. Connaissez-vous Magui de Blanc? Qui? Magui de Blanc. De nom, oui. De nom? De nom. Vous appréciez sa politique? Qu'est-ce que vous dites de sa politique? Je n'en sais absolument rien. Je ne m'occupe pas spécialement de la politique. C'est elle qui s'occupe de l'immigration. Oui. Les Flamands, en général, sont beaucoup plus réticents que nous. Ça, je sais de ce côté-là que la communauté néerlandaise sera beaucoup plus stricte, ayant déjà des problèmes peut-être avec une partie de la population juive qui se retrouve en Anvers. Oui. Alors, ils ont peut-être mis un petit peu le frein, là. Oui, oui. Je n'ai pas spécialement un avis sur la politique belge, j'espère. Envie ou qu'ils en ont besoin parce que c'est pas bien dans leur pays. Et merci. Comment tu reçois les étrangers ici? Bah bien, tout le monde. Bah oui, que les gens soient blancs ou noirs, ça change pas leur personnalité. Merci beaucoup. Okay. Bon après-midi. Si. Oui. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui on dit que l'économie de la Belgique s'étouffe un peu et il y a un bon nombre de personnes qui portent
ce fardeau-là aux étrangers qui sont là, qui disent que ce sont les étrangers qui sont là. C'est pourquoi et l'économie, bah non, c'est tout. Pas le Vous êtes sûr? Ah ouais, ça c'est sûr. C'est pas les étrangers? Oh non, c'est le gouvernement qui fait tout ça. C'est le gouvernement qui met tout dans ses poches. C'est pas les étrangers. Les étrangers n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Comment appréciez-vous les étrangers ici? Mon filleul est avec un noir, avec une noire. Ça, voilà. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas la couleur de peau qui compte. Non? Que pensez-vous des étrangers qui sont en Belgique? Ah ben nous, c'est pas, franchement, bah, rien. Rien. Non, pas. Mais paraît-il que c'est la présence de ces étrangers qui étouffe l'économie de la Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a beaucoup trop, vous pensez. Vous ne voulez pas que les étrangers arrivent ici ce serait mieux quand on va faire une politique pour bloquer les frontières de la Belgique pour que les étrangers n'arrivent plus en Belgique? Bah ouais, c'est vrai que c'est bien aussi. C'est bien de faire ça parce que comme ça, il n'y a personne qui voilà. Alors, et quels sont les critères des gens qui doivent vivre en Belgique? Puisque aujourd'hui, il y a des Belges aussi qui sont ailleurs. Il y a des Belges qui sont ailleurs un peu partout et qui travaillent là-bas, qui se cherchent là-bas. Maintenant, si vous ne voulez pas que d'autres viennent, quels sont les critères et que vous proposez à ceux qui doivent vivre ici en Belgique? Bah, qui restent tranquilles, quoi. Ah, bah, ceux qui ne font pas de... Bah, que s'ils veulent venir, dans un pays étranger, qu'ils ne commencent pas à faire des choses mal, quoi. Mmh. Voilà, moi, c'est ça. Je sais pas trop dire... Donc vous pensez que les Belges ne font pas ne font pas mal aux autres Belges? Vous êtes sûr? Non, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Une grande partie parviennent à s'intégrer au bout de trois générations. C'est premièrement. Deuxièmement, ces étrangers ont été appelés par les Belges durant les années 50, 60, 70. Oui. Maintenant on n'en veut plus, mais à un certain moment, on a bien voulu les avoir. Et troisièmement, ce sont souvent des gens qui travaillent en noir ou bien avec des petits salaires et qui en fait se font plus exploiter que les autres. Toutes ces personnes souhaitent apporter quelque chose à la société civile belge. Toutes ces personnes ont des savoir-faire, ont des compétences. Que ce soit des savoirs ou des compétences certifiées par un contrat de travail ou pas. Elles ont des compétences, elles ont un savoir-faire qu'elles souhaitent mettre à la disposition de la société belge. Et d'ailleurs, quand elles reçoivent un ordre de quitter le territoire, donc comme 86% des personnes, ces personnes ne rentrent pas au pays, il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sombrent dans l'illégalité où là, elles deviennent une main-d'œuvre corvéable à merci, sur laquelle, une sorte de coussin comme ça, informel, sur lequel repose notre société, notre économie formelle. Il y a très peu de statistiques, évidemment, mais nous estimons, pour la Belgique, qui est un pays d'à peu près 11 millions d'habitants, qu'il y a entre 100 et 130 000 personnes, des invisibles, des hommes infâmes, comme on disait au XVIIe siècle, qui grouillent dans les restaurants, dans les caves, qui vont ramasser des pommes et des poires pour 5 euros ou 10 euros la journée. Toute cette économie informelle est alimentée par ces personnes que l'on jette dans la clandestinité. Il y a donc un intérêt bien compris, et je dirais même totalement hypocrite, à vouloir à la fois lutter contre l'asile, contre les personnes que l'on voit avant tout comme les personnes qui viennent profiter, et d'un autre côté, l'exploitation éhontée qu'on en fait. Démographiquement, si on n'avait pas d'étrangers, il y aurait un vieillissement de la population encore accru, donc ça poserait des problèmes économiques aussi. Et voilà, mais bon, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vient d'une famille belgo-judéo-marocaine, donc oui. J'aurais du mal à être xénophobe. Voilà. Oui, monsieur. Qu'en pensez-vous du boulot au noir? Parce que vous avez parlé du boulot au noir, vous appréciez ça? Non, du tout, mais parfois on n'a pas le choix. Moi-même, parfois, quand je n'ai pas de travail, je suis obligé de travailler en noir, parfois pour rien, parfois pour des clopes. Hein. J'ai parfois obligé de travailler pour la mafia. Il y a 2 ans, j'ai travaillé dans un... Bah, c'est un peu ma vie. Ça arrive à tout le monde. Je vais dans un chantier, j'étais payé 25 euros sur la journée. Mais c'est parfois des journées de 9 heures. Donc
Imaginez, rien que pour faire aller-retour en bus, je vais travailler une ou deux heures. Ça va, c'est de la folie. Et je vais rencontrer pas mal d'étrangers qui travaillent dans ce genre de chantier-là. Mais c'est un problème. Non, il faudra un travail. Je crois que tout le monde doit avoir un vrai travail avec, avec une pension, avec une sécurité sociale, avec une santé gratuite. Mais ça pose des problèmes économiques évidemment beaucoup plus vastes. Hein. Donc, pour prévenir le chômage, il faudrait tout changer. Donc, Quels seraient les critères d'un étranger modèle pouvant vivre en Belgique tranquillement? Quels critères La tolérance religieuse, je ne sais pas si on en parle beaucoup. quoi encore Le bon usage de la femme et de la famille d'une manière générale. Voilà. Parce que je pense que ça dépend d'où ils viennent aussi. Mais par contre, il y a des jeunes des écoles qui n'acceptent pas quand ils voient les étrangers, oui. Donc là, il y avait. Oui, parce que dans les centres Croix-Rouge, vous allez voir qu'il y a une sensibilisation. Ah oui. Il y a une sensibilisation. Les jeunes là se déplacent, oui, les jeunes de 14-16 ans, pour qu'on leur dise à peu près pourquoi les autres se retrouvent subitement chez eux, etc. Donc ce serait très intéressant aussi si on prenait les enfants alors. Ou les jeunes de l'école primaire, 14-16 ans, par exemple lui. On peut lui demander, oui. Oui. Ah. Les gens pensent que les étrangers étouffent l'économie de la Belgique. On veut avoir votre appréciation là-dessus, c'est tout. J'en ai absolument aucune idée. Sérieusement. Là, moi je suis dans mes études, je pense que à ça, donc j'ai pas d'avis. Mais et il faut quels critères pour un étranger modèle pour pouvoir vivre en Belgique? Un étranger modèle. Sérieusement, aucune idée. Non, ils ne sont pas concernés. Bonjour, madame. Les gens n'aiment pas la caméra. Vous ne pensez pas que l'arrivée massive des étrangers joue énormément sur l'économie de la Belgique? C'est possible. C'est possible, mais il y a aussi d'autres points positifs. Il y a aussi, les étrangers amènent aussi un peu de leur culture qui enrichissent un peu aussi la Belgique. Ce qui est du point de vue économique, il me semble que les étrangers ne sont pas la cause principale du problème qu'il y a ici en Belgique. Il faudrait revoir plusieurs choses aussi et mettre l'appui plus sur le social. Je trouve qu'il y a du laisser-aller dans le social et il est clair que les travailleurs aussi sont beaucoup trop taxés. Donc il faut un peu revoir la politique en général. Hein. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez pour quelqu'un, un étranger modèle? Quels sont les critères que vous... Déjà, je suis italienne. Voilà. Mon mari est belge. Oui. Elle est la mariée en espagnol. Oui. Alors, donc ça c'est... Mixer. Voilà. Et ma nièce est la mariée de là. Côte d'Ivoire. Oui. Donc vous me parlez le modèle voilà. Bah, déjà c'est ce que vous êtes en train de faire là, vous parlez français quoi. Oui. Ce que je n'aime pas trop, c'est quand on est dans un lieu public et tout ça, et que les étrangers parlent étranger entre eux. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux personnes du pays. Voilà. Je crois aussi que, et ça c'est la version optimiste, que si les personnes d'origine étrangère parviennent à se mobiliser, parviennent à constituer des alliances, justement avec les personnes
plus âgés, avec les jeunes, avec les travailleurs sans emploi. S'il y a moyen de construire des alliances, il y aura moyen de constituer des lignes de force qui feront bouger la politique, qui feront bouger d'une manière ou d'une autre les rapports de force actuels.